regarde, j'ai un spécial Mister Bean. Et moi, j'ai une question junior, trop bien. Ouais, trop cool. Oh, ah, mais qu'est-ce que c'est? Bah, où ça sort? C'est à faire. Colis XL, t'as vu ça, moi, dans la page? Bon, faut chercher une paire de ciseaux. Alors, qui est-ce qui nous a envoyé ça? C'est Yannick. Eh, hey, Yannick, merci. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as envoyé, Yannick? J'espère qu'il y a un petit mot. En tout cas, regarde, on a une belle couverture de survie pour faire de l'astronomie s'il fait froid. Je crois avoir des crêpes. Des crêpes. Des crêpes. Ah bah c'est parce que c'est breton ça. La pointe de Fennemar. Ah oui, Fennemar. Alors bonjour Laurent. Ah bah c'est Titouan. Titouan c'est mon copain. Il fait de l'astro-dessin. Ah ouais. Salut les astros. Alors avant de commencer, je voulais remercier une personne en particulier. Il se reconnaîtra. Il s'appelle Titouan. Alors Titouan, il m'a fait un super cadeau. Il m'a envoyé par email son tout premier astrodessin. Et cet astrodessin, c'est un astrodessin de la Lune, le cratère Gassendi et Gassendi A. Et donc voilà, je te remercie Titouan et je franchement tu es doué. Hein. Je vais mettre le dessin là, vous allez le voir. Alors vous voyez, c'est quand même un super dessin, Titouan. Il a 10 ans. Il a 10 ans et il fait des dessins. Moi, si à 10 ans, on m'avait dit que je dessinerais comme ça, je serais fou. Franchement, mon tout premier astro-dessin lunaire, il ressemblait absolument pas à ça. Donc, Titouan, tu es très doué. Permets-moi de te le dire et de te féliciter. Tu fais de l'astronomie avec ton papa et j'encourage tous les papas et toutes les mamans eh bien, à faire de l'astronomie avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, Titouan, je vais à mon tour faire un astrodessin de la mer des humeurs et donc du cratère Gassendi. Et je te le dis, ce dessin, il est pour toi, il est à toi. Mon petit-fils, hein, il passe les vacances avec nous. Alors bonjour Laurent, bonjour Titouan. J'espère que vous allez bien. Voici un petit cadeau pour vous remercier de l'astrodessin. Encore merci et à bientôt, Titouan. Ouais, c'est trop génial, merci Titouan. Et j'adore les crêpes. Hein. Ah ouais. Ouais. Alors là, ici, on a une belle lettre, une grande lettre. Très grande. Oh, photo. Il est belle. Ah ouais, t'as vu ça? Avec un petit mot, voici NGC 7000. Elle est un peu imparfaite. Alors, venant de Bretagne, je l'ai surnommé le goéland. Ah, parfait. Alors, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Bon ciel à toi, Yannick. NGC 7000. Merci. Merci, Yannick. Belle photo. Bon, c'est sa première astrophoto. Hein. Alors, cher Laurent, avec quelques mois de retard, je prends enfin le temps de te répondre. Je suis le papa de Titouan. Oui, bah oui. Le petit garçon de 11 ans, pour qui tu avais réalisé un magnifique astrodessin. Nous souhaitons depuis longtemps te remercier. Nous t'avons envoyé une vidéo, c'est vrai, c'est une belle vidéo. Peut-être ne l'as-tu jamais reçue. Si, je l'ai reçue. Ce n'est pas. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai un peu de mal à lire de près. Alors, ce n'est pas. Ce n'est en tous les cas pas si bien grave car ce petit colis a plus de chances d'arriver à bon port. Tu trouveras là quelques spécialités bretonnes. Et je n'ai pas osé la bouteille de cidre. Bah oui, sinon elle pourrait effectivement casser. Ainsi que un petit cadeau en plus, un oculaire de 9 mm. Ouais, trop bien. Que tu sauras peut-être utiliser avec ta nouvelle lunette. Je te remercie.
C'est un long relief d'œil, comme tu as l'air de les apprécier avec tes lunettes. C'est vrai qu'avec des lunettes, quand on est porteur de lunettes, un relief d'œil important, c'est très, 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 très utile, très confortable. Alors, j'en porte aussi. Ben voilà, on est tous les deux des porteurs de lunettes. Faisant doublon avec d'autres, je ne l'utilisais plus, donc il est pour toi. J'ai un peu attendu pour te donner des nouvelles, car nous voulions aussi, avec Titouan, te joindre un de ces nouveaux astrodessins. Ouais, super. Mais l'occasion ne s'est pas présentée. Entre le temps Mossad, ah oui, ben ça, le temps... aux univers. C'est pas top en ce moment. Hein. Le coucher très tardif du soleil, c'est vrai que pour les... un petit enfant de 11 ans, rester trop longtemps à attendre que le soleil se couche, après le lendemain, c'est difficile pour aller à l'école. Hein. Ouais. Mmh. Il en sait quelque chose. D'ailleurs, hier, on a voulu... Il y avait un beau ciel hier, hein, et... T'étais fatigué, donc on n'a pas fait. Alors, Titouan, on n'a pas été très productif. Non, c'est pas grave, ça. Attends, j'ai pas fini. J'ai loupé une phrase. Le coucher très tardif du soleil, l'été, les activités sportives, ça c'est important. Titouan, on n'a pas été très productif. Mais pour ajouter une petite surprise, quand même, voici ma première astrophoto. Voilà, donc ça c'est ton cadeau. Ma première astrophoto. Après un difficile apprentissage et plein d'aventures, j'ai réussi à sortir quelque chose. Il s'agit de NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Alors, c'est un premier essai. Elle est mal cadrée. Mais cette photo, elle est unique. C'est ta photo et ça, c'est génial. Franchement, ouais. On la reconnaît bien, l'Amérique du Nord. Donc ici, on a l'Amérique du Nord avec... La péninsule du Mexique. Hein, voilà. Normalement ici il y aurait l'Amérique du Sud, mais elle a disparu. Alors c'est un premier essai, donc elle est mal cadrée. C'était la pleine lune. En plus, tu fais ça en pleine lune. Les couleurs sont fades, mais tu en as la primeur. Je vais présenter et faire mieux la prochaine fois. Je vais persévérer, pardon, et faire mieux la prochaine fois. Elle a d'ailleurs été prise avec une lunette de 80 mm, donc une 80 ED, et un appareil photo, le tout sur une HEQ5. Je ne manquerai pas de t'envoyer les suivantes si tu veux. Je tenterai un peu de photos lunaires. Enfin, ça, c'est extraordinaire, la photo lunaire. Franchement, je te conseille. Peut-être, mais donc je crois que tu aimeras bien. Ouais, bah oui, je vais adorer. Encore merci pour tous tes conseils et vidéos. Continue si tu peux, car nous continuons à te suivre en te souhaitant une bonne réception et un bon appétit. Mmh. À très bientôt, Annick. Avant Yannick. Merci Yannick. Merci tout le monde. Ça me fait très très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on a dedans? Une bourriche de la mer. Une bourriche de la mer. Qu'est-ce que c'est? Une bourriche de la mer. Hop. J'ai peur. C'est peut-être des huîtres, non? Des moules? Non, c'est des conserves. Bonne conserve de sardines. Attends, bouge pas. Il y a quoi? Ça, c'est quoi? Il y a un velouté de langoustine. Trop bien. Alors on va se faire un repas de roi, des sardines à l'ancienne, olives et citron et olives extra vierges. Voilà. On a ensuite du thon blanc. Eh, le thon blanc, c'est bon, mangez-en. Alors c'est le thon blanc Guermont au basilic. C'est des rillettes de thon. On va mettre sur du pain. Il glace, il y a encore ça. Et délice. Oh, ça c'est pas pour toi ça. C'est un délice de sardines au whisky. Wow, ça va. Alcoolique. On le dira pas à ta mère. Et puis, il reste encore un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Des œufs de poisson. Ah, je connais pas ça. Aviorique. L'aviorique. Ouais.
Voilà, bah écoute, j'ai goûté ça. C'est bien présenté. Le meilleur de la pêche. Les bonnes crêpes. Les crêpes de Landerneau. Merci la Bretagne pour cet original pur beurre. Et puis, ah, regarde, ça c'est l'oculaire de 9 mm. Tu veux l'ouvrir? Allez. Allez, vas-y. Waouh, à la classe. 9 mm, long high relief, 3 mm full, multi-coated. Et là, avec ça, on va bien s'amuser. Tu vois? Non. Non plus, je t'ai pas. Ah, super. Bah, mais merci, hein. Franchement, merci. Je ferai un dessin, un astro-dessin. En utilisant ton oculaire, hein, et je t'enverrai le résultat avec. Voilà. Bon, bah, en attendant que effectivement le ciel se dégage, aujourd'hui c'est un peu gris. Hein. Tu confirmes? Ok, oui. Voilà. Mais bon. Merci beaucoup. Merci Titouan, merci Yannick. Salut. Merci. On va se régaler. Ouais.